C'est celui qui a le crayon qui peut te rayer à 20 ans ou à 30 ans ou à 40 ans, tu ne peux rien y faire. Bon, mais pendant que tu es là et que tu assumes ta passion, le jour c'est fini, il y a le mot FIN, fin. Ce qu'il nous a laissé par-delà l'œuvre immense, ce sont les héritiers désignés comme Benz Belinga, Caillou ou encore Alain Oyono. C'est aussi sa philosophie de vie, ne s'attacher à rien qui ne meurt, aimer les gens et se faire plaisir, éviter les cons. L'UNESCO pleure un ambassadeur de la paix, apôtre de la rencontre des civilisations. Papa Groove est le père de la classification World Music.